Espoir de vie, vous allez applaudir pour vous-même. Nous allons maintenant ovationner notre autre papa, l'honorable Famosa Koulibaly, qui est notre papa et notre premier manager. Janvier 2019, c'est la deuxième fois que nous accueillons notre hôte, qui est notre père, qui est notre papa et qui aime bien les enfants démunis, les enfants déshérités et qui ne cesse d'apporter toujours son soutien à l'endroit des enfants démunis. Là où il y a toujours des pleurs, il sait, n'est-ce pas, marquer une pause, un pas, il vient essuyer les larmes de ceux qui aiment beaucoup, ceux qui pleurent beaucoup, pas qui aiment, qui pleurent beaucoup. Une fois encore, ovation pour l'honorable.
enfants. Sans plus tarder, on va démarrer cette cérémonie par confier d'abord tous ceux qui sont ici entre les mains du Tout-Puissant, la cérémonie entre les mains du Tout-Puissant, et recevoir aussi l'onction de celui-là même qui nous permet d'être là, le prophète Joël Crasso, président fondateur de la fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de Vie. J'invite sur ce le pasteur Serge pour la prière. On va tous te tenir debout, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons d'abord merci. Merci pour vraiment cette visite que toi-même tu as permis. Merci pour ce huitième jour de la nouvelle année, ce mardi 8 janvier 2019. Seigneur, nous recevons, Éternel, la visite de l'honorable, le député Vamoussa, Seigneur, à la fondation Espoir de Vie de ton serviteur, le prophète Joël Crasso. Seigneur, nous voulons te confier cette cérémonie. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous ne voudrons pas faire quelque chose sans t'inviter, toi, Dieu, parce que c'est toi qui fais des choses à ton temps. Alors, Seigneur, je vais te confier cette cérémonie. Contrôle toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, cette visite. Bénis cette cérémonie. Seigneur, accorde à chacun et à chacun qui avait Dieu une onction particulière. Seigneur, déjà, de près de loin, ton serviteur, il est déjà au milieu de nous. Et que toi-même, Dieu qui est esprit, tu es présent ce soir parmi nous. Alors, Seigneur, prends le contrôle, guide tout chaud, tout ce qui va se faire au cours de cette cérémonie. Sois dirigé par ta puissance, par ton esprit et par ton onction. Merci, Dieu, de prendre le contrôle de toutes choses. À toi l'honneur, à toi la grandeur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. N'est-ce pas, de présenter le mot de bienvenue à notre hôte. Cher papa député Pamoussa, chers parents de la délégation du député, au nom de mon papa prophète Joël Crasso, au nom de mes frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre orphelinat, votre maison. Mardi 8 janvier 2019, est un jour qui restera gravé sur la table de notre cœur et de notre esprit. Parce que vous êtes la toute première autorité de notre pays à nous rendre cet honneur. Visitez et saluez les orphelins que nous sommes. 8 janvier 2019, le huitième jour des 365 jours que comptera 2019. Le chiffre 8 dans la Bible des chrétiens est égal à 7 plus 1. 7 qui lui est le nombre symbolisant la satisfaction. Grâce au prophète Joël Crasso, nous qui étions rejetés, oubliés, aujourd'hui nous connaissons la joie d'un repas complet, la joie d'un sommeil doux, la joie d'avoir été accepté. Votre visite en ce jour du mardi 8 janvier 2019 nous comble de joie et de bonheur une fois de plus. Vous êtes ce plus un en soutien à notre papa prophète Joël Crasso. Soyez-en remerciés et que Allah le Tout-Puissant vous garde longtemps. Que Allah creuve les yeux de tous vos ennemis en cette année 2019. Nos voeux de santé, d'amour, de joie, de paix et de bonheur vous accompagnent tout au long de cette année 2019. Paix et longue vie à vous et à votre famille. Bonne et heureuse année 2019, papa député. Je vous remercie. De dire toutes sortes de méchancetés sur toi. Tant que le soleil se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest, ton amour pour les humains et les enfants ne changera d'un iota. Joyeux anniversaire, papa.
Que l'Éternel te défende contre tes adversaires et qu'il combatte tous ceux qui te combattent. Qu'il saisisse le petit et le grand bouclier et qu'il se lève pour te secourir. Telle est ma prière pour moi et pour toi et ta famille. Joyeux anniversaire, papa député. Que l'Éternel ne te cache pas sa face, car tu serais semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Qu'il te fasse dès le matin entendre sa bonté. Qu'il te fasse connaître le chemin où tu dois marcher, car tu es son serviteur. Telle est notre prière, mes frères, sœurs et moi. Joyeux anniversaire, papa député. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Donner la vie à mon âme.
Beaucoup et que nous aimons les enfants, puisque nous aimons notre papa, qui est son père. Et il a choisi ce jour vraiment mis à part, n'est-ce pas, ce grand jour pour rendre visite à ses enfants. Il devait se retrouver, n'est-ce pas, dans un restaurant, quelque part, 6 étoiles, en train de manger, festoyer, jouer avec lui-même, se donner tout ce qu'il fallait. Mais il a préféré, n'est-ce pas, se rapprocher des enfants, de ceux-là même qui ont besoin de cette chaleur. On va encore lui dire merci par attention. Nous sommes ici, bien sûr, avec l'encadrement, c'est-à-dire les membres dirigeants, bien sûr, de cette fondation. Nous avons le premier vice-président qui est là, j'ai nommé Seiko Paulin, qui demande à... même qui défend le droit de l'homme dans les lois du bois, Yoro Isidore, qui nous a présenté. Nous avons la présence d'un représentant de Radio Patente d'Ivo, Fresh Merino.
Alors, sur ce, chers invités, l'honorable, permettez-moi de donner la parole au premier vice-président, n'est-ce pas, de la Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie, Papa Seiko Paulin. Monsieur le député, niveau commune et sa forte délégation qui l'accompagne, honorable Famoussa, jeune frère cadet, j'ai la lourde mission, encore une fois de plus, n'est-ce pas, de vous recevoir ce soir au nom du prophète Joël Crasso, un monsieur qui a une dimension non seulement internationale, mais un monsieur qui aujourd'hui s'est mis à la disposition de l'humanité de deux manières. Il a choisi, n'est-ce pas, Dieu plutôt l'a choisi dans un premier temps pour mener un combat contre les forces humaines, mais au-delà de ce combat qui lui sied à merveille, il a choisi de faire des œuvres sociales. Et à ce titre, ce joyau que vous venez visiter pour la deuxième fois est l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire c'est un acte qu'a posé l'Éternel Dieu à travers le prophète Joël Crasso. Monsieur le député, honorable Famoussa, vous permettrez, avant toute chose, de donner une petite illustration par une métaphore. Je disais tantôt, parce que nous avons déjà écouté la prière du pasteur Serge, dans notre monde courant, quand vous êtes devant la justice humaine et que des agents, les premiers éléments, viennent souvent chez vous, ils vous disent: Monsieur, vous êtes mis aux arrêts, gardez le silence, parce que toute chose que vous prononcerez sera dirigée contre vous. Mais mieux, pour expliquer cela, dans les pays développés, quand vous arrivez et que vous êtes en porte-à-faux avec la loi, quand des agents ou des officiers, toujours de la justice, vous posent des questions, vous répondez en tant que citoyen éclairé: je ne répondrai pas, parce que j'attends mon avocat. Cette métaphore, tout juste pour vous dire que nous ne pouvons pas commencer effectivement cette cérémonie sans la mettre effectivement, sans la conditionner, n'est-ce pas, sous la haute autorité et sous la grande garantie du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, vous êtes là. Nous avons des objectifs précis par rapport à cette visite. Nous allons échanger. Et ce que nous allons dire va toucher des sens des humains que nous sommes. Vous allez prononcer des paroles, nous allons prendre acte. Nous aussi, nous allons prononcer des paroles, nous allons demander, comme nous l'avons toujours fait, des choses. Et si ces paroles ne sont pas garanties par un avocat, le seul avocat puissant du monde que nous connaissons, nous, en tant que membres de cette fondation, et qui servons sous la haute autorité spirituelle du prophète Joël Crasso, le seul avocat que nous connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous disons très sincèrement que nous demandons à notre avocat, n'est-ce pas, de plaider, n'est-ce pas, auprès de vos sens. Les sens qui vous incarnent, d'abord depuis l'esprit, l'âme, le cœur, la conscience et la mémoire, pour que ce que nous disions aujourd'hui prospère, ce que nous disions ce jour fasse tâche d'huile. Voilà où je commence mes propos, monsieur le député. En effet, c'est la deuxième fois que vous prenez contact avec notre fondation. Vous y êtes venu. À ma connaissance, vous êtes la première personnalité, la première notoriété politique à faire deux fois cette visite. Très cher jeune frère, on l'aurait pris peut-être comme un acte superficiel,
ou un acte empreint d'un objectif précis. Parce qu'à l'époque, nous étions effectivement dans la mouvance des élections, vous êtes arrivés, nous aurions pris cela comme un fait de paille. Mais aujourd'hui, monsieur le député, nous sommes à même de nous demander, en tout cas, est-ce vrai? Parce que, comme l'ont dit les enfants, rien, absolument rien, ne presse. Aucune pression sur vous, c'est-à-dire aucune pression politique, aucun objectif quelconque, aucune ambition en ce moment. Vous êtes libre. Et moi, en tant que votre aîné, j'apprécie. J'apprécie la grandeur de la personnalité que vous êtes ce soir. Parce que cette visite, effectivement, prouve, monsieur le député, que ce que vous aviez fait à l'époque n'était pas fortuit et que votre nature incarne une réelle personnalité, une réelle humanité. Et à ce titre, aujourd'hui, vous arrivez, en ce début d'année, vous êtes la première personnalité, comme l'a dit les enfants, à effectuer, n'est-ce pas, ce déplacement. Et je pense que moi, je n'étais pas là, j'étais en déplacement, j'étais à Abidjan, et nous sommes venus précipitamment sur insistance du prophète Joël Crasso, parce que n'étant pas là, même avant de partir, on avait déjà délégué les pouvoirs à des gens qui devaient vous recevoir, mais le prophète a insisté que lui-même n'étant pas là, il fallait que je sois là pour le représenter. Monsieur le député, ce soir, nous vous recevons vraiment dans une grande joie. Parce que là, arrivé, nous avons vu tout de suite que c'était en plus, n'est-ce pas, de cette visite de nouvel an, nous avons constaté que c'était aussi votre anniversaire. Et le prophète m'a appelé tout à l'heure, quand nous étions là, si vous avez remarqué, je me suis levé un peu. C'est tout juste pour vous dire que c'est vrai, les appareils aujourd'hui ne nous permettent pas que le prophète, en direct, vous dise plus que ce que nous vous disons. Les enfants que vous voyez, effectivement, ont la bouche saine, comme on le dit. Et quand, en début d'année, les enfants vous disent certaines choses, je pense que c'est du réel, ce n'est pas de la tricherie. Il y a une qui disait, en début de propos, parce que la première a intervenu, que Papa Famoussa, honorable, que tous tes ennemis, cette année-là, leurs yeux soient crevés. Je dirais en retour à cette petite que non, que les yeux de tes ennemis ne soient pas crevés, mais qu'ils aient les yeux ouverts pour plus apprécier votre victoire. Ce déplacement en lui seul constitue un symbole d'humanité, un symbole de reconnaissance, mais surtout un symbole divin. Parce que nous l'avons toujours dit, bien que ça soit biblique, je suis sûr que c'est aussi coranique. Que ça soit dans le Coran ou que ça soit dans la Bible, on demande que l'être humain, n'est-ce pas, le chrétien ou le musulman, assiste les orphelins. On demande aux chrétiens ou aux musulmans d'assister, n'est-ce pas, les veuves. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, monsieur le député, vous êtes dans la droite ligne de Allah, n'est-ce pas, de l'éternel Dieu, de l'éternel, notre Dieu à nous tous. Vous êtes dans sa droite ligne. Qu'en ce début d'année, éternel Dieu, vraiment, vous bénisse abondamment. Vous bénisse, je le dis... Le prophète, qui est notre chef suprême, il le dit, les enfants l'ont dit, et moi, c'est vrai que j'ai aujourd'hui la casquette de vice-président de la fondation Joël Crasso, mais en même temps, honorable député, vous savez ce que je représente sur la terre de Dieu. Cette persévérance, parce que c'est votre nature. Comme nous avions l'habitude de le constater, effectivement, les hommes politiques sont dénaturés. Député honorable, votre humanité est sans limite. Monsieur le député, encore une fois de plus, je ne pourrais pas terminer avec vous sans m'adresser à votre délégation, à nos sœurs, à nos frères qui ont daigné prendre leur temps. Parce que même si on n'a rien à faire, des gens de votre rang, ils peuvent se coucher, n'est-ce pas, se relaxer et puis méditer sur des écrits, etc. Surtout que ces derniers temps, vous avez fait des sorties
extraordinaire des parades dans les journaux. Je pense que vous en aviez peut-être besoin de ce temps-là, peut-être pour des parades, pour réfléchir, n'est-ce pas? Et vous avez pris ce temps-là pour venir ici à notre fondation, pour marquer votre présence, pour nous prouver que vous pensez à nous, pour nous prouver que ce que vous aviez dit lors de votre première visite, ce n'était pas gratuit, ce n'était pas fortuit, et que vous êtes toujours avec nous, et que vous soutenez le prophète Joël Crasso dans l'acte qu'il a posé ici, dans votre ville, n'est-ce pas, dans votre commune où vous êtes le député. Vraiment, monsieur le député, je vous en suis très reconnaissant. Et au nom de tout le personnel, au nom du prophète Joël Crasso, je termine encore une fois de plus, après vous avoir dit bonne et heureuse année, et à votre famille, à toute votre famille, sans oublier mon frère et ami Ismaël, il n'est pas là, il m'avait dit de l'appeler, j'ai tenté de l'appeler malheureusement, il n'a pas décroché. Je finirai par dire, monsieur le député Famoussa, bonne et heureuse année, joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Joyeux anniversaire, papa député, merci. Encore merci pour ce grand geste en ce jour mis à part, pour une fois encore rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc, longue vie à papa député Famoussa Coulibaly. Nous poursuivons, on n'a pas d'artiste, n'est-ce pas, pour chanter et danser avec vous, pour célébrer, pour fêter votre anniversaire, mais il a plu quand même au Seigneur que nos enfants soient en prestation. Donc une dernière prestation de nos enfants, n'est-ce pas, que nous accueillons maintenant sous vos acclamations, chers invités, chers enfants, on applaudit pour... Quand il sera avec Ali. Ok, tu l'as fait. Il appelle. Donc, une minute. Ok, on attend pour la prestation. Le... Ouais, shalom. Oui. Allô? Ok. On écoute. Shalom, le Runa, le député est là, le président aussi est là, tout le monde est présent. Ah, d'accord. Moi, je suis en train de suivre le direct. Je tenais à saluer le honorable député Famoussa qui me marque. Moi, il m'a personnellement marqué. Je suis en direct seulement. Monsieur le député, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup, cher aîné, cher prophète. En tout cas, merci, voilà. Merci à toi. La prime de personnalité, autorité, qui nous rend visite cette année, qui nous a toujours rendu visite. À part vous, il n'y a pas d'autre autorité qui nous a rendu visite. Et je prie Dieu que d'autres ont pu suivre après nous cette fois-ci. Recevez toute cette grâce de la part du Seigneur. Et sur cela que j'ai demandé au président, président Feko, il était en cours sur Abidjan. Il a dit mais on reçoit une autorité. Tout à fait. Okay. Je disais à mon épouse que, monsieur le député, là, c'est vrai que je ne suis pas politicien, mais j'ai commencé à beaucoup l'aimer. Merci beaucoup. Bon, mais va commencer à m'enlever dans mon parti, mais comme je ne suis pas, mais moi. Merci, cher aîné. Ok. Je suis content. Merci. Voilà. Vous n'êtes pas les gens, le blanc m'a parlé pour vous. Merci. Vous aimez l'homme. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, vous me marquez.
Merci en tout cas. Merci pour tout ce que vous faites également pour ces enfants et pour tous nos parents. Merci en tout cas que le Seigneur vous fortifie. Ok. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous en avez assez. Que Dieu confonde vos ennemis. Amen. Voilà. Voilà, on a besoin de vous à la paix de Dieu. Merci. Et à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup et bonne année à vous également et à tout le personnel de la Fondation. Que le Seigneur vous garde longtemps parmi nous et qu'il vous fortifie. Merci. Ok, merci beaucoup. Amen. Amen. D'accord, nous venons de suivre en direct, n'est-ce pas, le message du prophète Joël Kasso à l'endroit de son frère. Et nous allons poursuivre, et je l'ai annoncé tantôt, il n'y a pas d'artiste, mais on se transforme en artiste pour danser avec l'honorable, parce que c'est son anniversaire. Et ce qu'on a prévu, papa Moni, on y va pour le show.
Merci. L'année passée, vous étiez là, vous nous avez soutenus. Il a plu au Seigneur d'assister nos enfants, mais il est aussi mieux de partager le résultat, n'est-ce pas, des un an d'activité et ce que les enfants, grâce à Dieu, ont pu produire. Nous invitons le moniteur qui viendra. Sous vos acclamations, chers. Je voulais dire merci à monsieur le député, à toute sa délégation. Comme dit notre frère, ces enfants-là ont été scolarisés depuis l'année passée par le prophète Joël Crasso. Certains, ayant été abandonnés par leur famille, ont fait 2 ans, 4 ans, pour certains, 3 ans. Et c'est après être récupérés par le prophète qui les a mis ici à l'orphelinat. L'année passée, ils ont fait leur premier parcours scolaire. Pour certains au CM1, certains au CM1. Et après donc 4 ans, l'année passée, nous avons présenté 2 à l'entrée en 6e. Elles vont se tenir debout. Et elles ont été admises. Elles sont aujourd'hui cette année au lycée, le Adventiste. Après 4 ans, nous avions présenté également 2 au BPC. Elles ont été admises également, elles vont se tenir debout. Encore, ils ont été reconduits, tous sont tous scolarisés, sauf une qui est dans une école de formation et qui aussi est passée avec brio en 2e année. Et le premier résultat de ce premier trimestre, avec votre permission, je vais vous présenter le petit Niazale Otinier en classe de CM2. Il a été premier de sa classe avec 17 de moyenne sur 20. Deuxième de sa classe. Kwaku Carlos, en classe de CM1, il a été deuxième avec 9,40. Christian Péniel, en classe de CE2, deuxième avec 8,78. Et Ouzan, en classe de CM, troisième avec 9,36. Boka Espérance, en classe de CE2, elle a été troisième de sa classe avec 8,40. Yeda Amélia La Benjamin, en classe de CE, elle a été cinquième avec 8 de moyenne. Boka Fabrice, après 3 ans sans aller à l'école et que le prophète a réscolarisé, il passe. Il est en classe de CM2, il est 6e de sa classe avec le 18e. François, lui, il a fait 4 ans sans aller à l'école. C'est l'année passée, il a fait le CM1, il est passé brio. Parmi les 5 premiers, il fait CM2. Il est 7e de sa classe, 7e. Lulu Ennis, en classe de CM2, elle est 11e de sa classe. Avec 11,15 sur 20. Naounou Linda, en classe de CM2, elle est 22e, elle a 15 de moyenne sur 20. Nous avons 4 pour ceux de collège, comme les autres n'ont pas encore donné leur bulletin. On a Boka Trifel. Celle-là qui vient de chanter, elle a fait 4 ans sans aller à l'école. C'est l'année passée qu'elle a fait la 6e, elle est le CM2. Elle est passée brio et elle est première de sa classe pour ce trimestre. Avec 14,94 sur 20. Gorelou Blanche, elle est en classe de 2e, elle est 7e de sa classe. Elle est première de sa classe. Elle en première, elle est 6e de sa classe avec 11 de moyenne. Vous élisez en classe de 3e et de 10e avec 10 de moyenne. Merci beaucoup pour le travail que a fourni monsieur le prophète. Que le Seigneur le bénisse davantage.
Et pour vous dire que ces enfants ont besoin de vos soutiens, ont besoin d'être encore poussés. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci d'être venu. Voici vos enfants. Merci. Merci. Effectivement. Honorable, je pense que ce travail technique que vient de faire notre moniteur démontre, parce qu'en fait, c'est une expression et en même temps une interpellation, monsieur le député de la nation. En effet, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème, à un véritable problème, n'est-ce pas, qui constitue quand même un élément sensible de toute société dans ce monde, c'est-à-dire la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse. Et nous avons su trouver le concept qu'on appelle là celui des microbes. Aujourd'hui, avec cet exemple, monsieur le député, voici vos enfants. La plupart, pour ne pas dire tous, personne n'était plus scolarisé, c'est-à-dire c'était des enfants qui étaient dans la rue. Et c'est là que l'œuvre du prophète a du mérite. On les a récupérés et on a pris l'exemple le plus frappant de la jeune fille qui a fait 4 ans, 4 années sans aller à l'école, vraiment qui n'avait plus de chance pour espérer à quelque chose. Sans oublier les autres, ils sont là. Ce n'étaient plus des gens scolarisés. Et il faudrait que cela soit su de tous. Et le prophète les a récupérés. Et c'est là qu'il y a le mérite. Et il les a scolarisés. L'année dernière, pour leur scolarisation, vous pouvez demander d'abord, j'en profite pour remercier encore une fois de plus, très vivement, notre manager Armando, qui je demande aux enfants de l'applaudir. C'est nos collaborateurs. Mais dites-vous que le travail, ce n'est pas nous qui le faisons. Moi, ce n'est pas moi qui fais le travail. Moi, je supervise, je regarde et je sais comment il souffre, comment je l'appelle. Armando va voir ceci. J'ai compris, Prézi. Tant, tel enfant n'est pas encore inscrit. Et je vous assure que l'année dernière, effectivement, on a payé la scolarité de tous ces enfants. Aucune gratuité. Et le prophète, comme c'est un homme d'honneur, quand il s'agit de scolariser les enfants, il y avait des problèmes. Parce qu'on était en même temps à la recherche de notre agrément, qui n'était pas encore effectif. Auprès des autorités, on exigeait cet agrément avant de pouvoir nous aider. Donc le prophète ne pouvait pas attendre l'agrément, il fallait qu'il paye. Donc il a payé plus de, je crois, 1 million et quelques, la scolarité et tout ce qu'il fallait comme tout, pour que ces enfants puissent être scolarisés. Et cette année, Dieu merci, parce qu'en même temps qu'ils faisaient ce travail, on n'était pas découragés, on invitait des gens. On invitait des gens qui venaient, surtout monsieur l'inspecteur, a eu ses représentants qui ont assisté à certaines cérémonies, et eux-mêmes, étant convaincus de l'action du prophète, cette année, ils étaient prêts. Mais en même temps, c'était une double action, parce qu'on a profité aussi, on a eu notre agrément. Donc, on a pu, cette année, scolariser certains qu'on a ramenés maintenant, parce qu'ils étaient tous dans des établissements privés. Et cette année, on les a mis dans des établissements publics. Il y a beaucoup qui sont dans des établissements publics. La plupart qui étaient dans les écoles privées, d'autres ont été inscrits dans des collèges, des lycées, etc. Et on vient de vous donner là les résultats. Mais le problème de fond, c'est celui des microbes. Nous, vous, vraiment, lançons cet appel. On ne vous interpelle pas. Parce que là, c'est impoli comme tel. Mais on vous invite, monsieur le député, n'est-ce pas, à attirer l'attention des autorités sur ce phénomène. Si chaque cadre, parce que Dieu seul sait, ils ont des moyens, apporter un encadrement, n'est-ce pas, à un groupe d'enfants, aussi petit que soit ce groupe, je pense qu'on aurait pu trouver, c'est déjà un début de solution à ce phénomène, n'est-ce pas, des microbes. Et c'est en cela que je voudrais vous inviter à méditer, monsieur le député. Voilà un peu. La plupart de tous ces enfants, comme je le dis, n'étaient plus scolarisés, ils n'allaient plus à l'école. Donc ils étaient aussi livrés, n'est-ce pas, à être, voilà, à cette vie-là de l'abandon, et c'était des microbes en puissance s'ils ne l'étaient pas. Parce qu'il y a d'autres ici qui étaient enchaînés, il y a d'autres qui étaient même passés par la police, etc., etc. Et déjà, ils étaient devenus des déchets de la société. Comme quoi, quand un homme, n'est-ce pas, l'enfant qui est l'homme de demain, quand il est encadré depuis le bas âge, il devient quelque chose.
Aujourd'hui, on donne les résultats, nous applaudissons, nous sommes contents. Mais malheureusement, c'était des gens, il n'y a pas encore un an, qui étaient considérés comme des déchets. Personne n'aurait imaginé que ces enfants-là pouvaient faire un tel espoir sur les bancs. Parmi les enfants qui ont leur père, leur maman, qui sont bien encadrés, on fait machin, et ces enfants-là. C'est dire simplement que la société, surtout enfantine, a besoin d'un encadrement. Ce monde-là, pour que cet encadrement puisse préparer des Ivoiriens dignes. Pour qu'à travers cet encadrement, ces enfants, qui sont des hommes de demain, des dirigeants de demain, puissent avoir vraiment une formation. Donc, en conclusion, disons simplement que ce phénomène des microbes est dû à notre négligence. Nous, aujourd'hui qui formons la société, qui avions la lourde charge de nous occuper de ces enfants, de les encadrer, et pour faire d'eux des citoyens de demain, c'est nous qui sommes responsables. Ces enfants ne sont pas responsables. On leur attribue plusieurs sortes de concepts, de dénominations, en disant que c'est des... comment ça s'appelle, des enfants en conflit avec les lois, et ça, des gros mots que nous savons fabriquer. Mais on a besoin d'une toute petite chose, d'un petit geste, c'est de les encadrer pour qu'ils aillent à l'école. Monsieur le député, c'est ce que j'avais à faire comme commentaire. Parce que ce qu'a dit le moniteur, n'est-ce pas, comme présentation technique de leur travail, n'est-ce pas, était plutôt expressif et interpellait tout un chacun dans sa conscience. Pour que les enfants de ce pays puissent être plus encadrés. Tant qu'ils seront encadrés, nous aurons moins de microbes. Pour ne pas dire nous n'aurons aucun microbe dans cette société. Je vous remercie, monsieur le président. Juste après cette brillante intervention du vice-président, Seiko Paulin, que nous demandons encore de m'assurer. Année, le prophète Joël Crasso décèle des prix, prophète Joël Crasso, à des personnes distinguées. Et je voudrais, sous ce couvert, annoncer déjà le trio qui sera nominé le 16 février prochain. Alors, le premier prix revient à l'honorable Famoussa Koulibaly. Reviendra au défenseur des droits de l'homme qui n'a jamais abandonné la fondation et toutes nos actions, Yoro Isidore. Et le troisième prix revient à une dame de fer qui travaille dans l'ombre et l'Abidjan, madame Cassie Dazito, que je demande. Année, merci beaucoup, vice-président. Je parle sous votre caution, bien sûr. Donc, on appuie pour le vice-président. Pasteur Serge, cher vice-président, chers collaborateurs du député, chers enfants, chers membres du bureau qui coordonne les activités de la Fondation Prophète Joël Crasso, nous allons nous lever parce qu'on va donner la parole à notre hôte, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Alors, sous vos acclamations. La parole revient à l'honorable. Merci beaucoup, cher Doyen Armando. On va s'asseoir, monsieur le président, chers enfants. Monsieur le vice-président, cher aîné Seiko Paulin, celui-là même qui me porte une attention particulière en tant que son cadet, et également en tant que cadet d'un autre de ses cadets, mon aîné Koulibaly Ismaël,
Vraiment, je suis heureux de te retrouver encore une fois de plus au sein de la Fondation, au nom du prophète Joël Crasso, homme de paix. Je voudrais dire vagabond de la charité. Parce que combien sommes-nous sur cette terre des hommes, avec tous ses moyens, combien d'entre nous pensons à ses enfants en détresse? Mais lui, il a décidé. Parce que certes, il connaît Dieu, mais il ne suffit pas de parler de Dieu et d'inciter les autres à faire des œuvres de bonté sans donner soi-même l'exemple. Parce qu'il ne faut pas faire comme l'autre. Je vous demande de faire ce que la parole de Dieu dit, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Donc, il donne l'exemple. Donc, je voudrais vous remercier au prophète pour son initiative. Dis merci à l'ensemble du personnel, au pasteur Serge et au manager, mon aîné Armando, au moniteur et à l'ensemble des personnalités qui ont pris un peu de leur temps pour apporter un mieux-être à ses enfants. Oui, je suis là pour la deuxième fois parce que pour moi, un homme ne peut vivre heureux seul. À chaque fois que le Seigneur me permet de me vêtir, je pense à ceux qui n'ont pas les moyens de se vêtir. À chaque fois, le Seigneur me permet d'avoir ma pitance quotidienne, je pense au même moment à ceux qui n'arrivent pas à avoir cette pitance quotidienne. À chaque fois, je me réveille, je vois mes enfants, je dis, ben, quelle grâce le Seigneur a eu à faire pour ses enfants. Je suis là pour le moment, mais en même temps, je dis, ben, c'est des orphelins potentiels, parce que mon souhait, c'est ça. C'est que je parte un jour et qu'ils puissent suivre la relève. Donc, quand je vois ces enfants jouer, manger, je me dis au même moment aussi, d'autres n'arrivent pas à jouer comme il se doit, d'autres n'arrivent pas à manger. Qu'ont-ils fait à Dieu? Rien, 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 rien de grave pour mériter un tel sort. Moi, qui suis orphelin de mère, je sais un peu la douleur. Jusqu'à présent, je suis là à des moments où je suis beaucoup affecté. Quand je suis avec mes enfants, nous jouons et puis de temps en temps, je suis triste. Je leur demande, vous savez pourquoi je suis triste? Les deux premiers me disent, tu penses à Anna. Parce que c'est comme ça que j'appelais ma mère Anna, maman. Je dis oui, c'est vrai, je pense à cet instant précis, à un moment, parce que j'aurais souhaité qu'elle soit à mes côtés pour partager un peu ce que je suis en train de faire. Mais le Seigneur décide autrement. Et quand j'étais enfant, jusqu'à ce que le Seigneur puisse la rappeler, des moments importants de ma vie, elle a toujours été là. Depuis le primaire, en tout cas, jusqu'à ce que j'ai mon bac ici, au lycée moderne de Divo. Ma mère, à chaque 8 janvier, elle faisait un petit truc et qu'elle partageait avec les autres. Donc, moi qui ne prête pas forcément attention à tout, mais c'est quand l'être cher qu'on a, quand on l'a plus, c'est là on se souvient que
il y a des actions qu'on doit pérenniser. Et cela fait 2 ans que j'ai la chance d'être à Divo. Et comme nous autres aussi, nous sommes les enfants du premier mois, je me rappelle mon professeur de 3e disait, ben, toi tes parents ont fêté 2 fois, hein, le 1er janvier et une semaine après encore, ils ont eu à fêter. Dernier, donc, j'ai voulu rendre hommage à ma mère. C'était la première fois que je faisais, j'atteignais 1 an de plus sans elle. J'ai décidé de retourner sur mes pas au CHR et aller à la maternité et également voir au niveau de la pédiatrie, voir comment en même temps des mamans donnaient vie à des enfants, mais au même moment, ces enfants, d'autres souffraient sur des lits d'une place, mais pour 4 enfants. Cette année, je n'ai pas voulu faire la même chose. J'étais là, j'ai demandé à Dieu de me guider. Et Dieu a voulu. En tout cas, ce qu'il m'a montré, c'est que je devais consacrer une partie de cette journée avec ceux qui en avaient plus besoin. Les orphelins. Et j'étais tout à l'heure avec les enfants de l'ONG Couillé, de Maman Couillé, les orphelins, tout juste au niveau de l'école de Bad ici. Et je me suis dit que je devais terminer ce périple ici. Et après, aller me recueillir sur la tombe de ma mère pour lui dire que les œuvres qu'elle a eu à poser, je suis en train de suivre un peu avec mes frères et mes soeurs. Et que cela soit aussi une miséricorde pour elle ainsi que tous les défunts qui nous ont précédés au niveau de l'autre monde. En tout cas, je suis heureux de me retrouver, de savoir que le prophète Crasso et l'ensemble de ceux qui ont cru à son projet sont en train de donner le sourire à des enfants qui avaient perdu le sourire. Chez nous, on dit que c'est cette action que vous posez, Monsieur le Président, c'est une aumône perpétuelle. C'est-à-dire, cette aumône-là, juste dans vos tombes, vous allez avoir les récompenses. Et pour moi, aucune bonne action n'est perdue. Quand vous essuyez les larmes des enfants d'autrui, sachez que demain aussi, d'autres essuieront les larmes de vos enfants. Et les enfants sont des cœurs purs, des cœurs sincères. Cela a été dit tout à l'heure. Nous aurons dû aller festoyer, ça ne fait pas partie de ma vision des choses. J'aime toujours ce qui est sobre. J'aime ce qui est mesuré, ce qui est sincère. Et l'action que nous menons autrement, même au niveau politique, je lui dis, si la politique n'est pas se mettre au service des autres, si la politique n'est pas morale et éthique, c'est que moi je ne suis pas politicien. Chacun dans un domaine de la vie, quel que soit le métier, quelle que soit la profession que vous exercez, vous devez être utile à la société. C'est ce qui est important. C'est pourquoi je voudrais dire merci à mon frère Yoro Isidore, le coordonnateur général des mouvements, des organisations et mouvements de la société civile. Depuis un bon moment dans ses activités, je sais le plaidoyer qu'il fait en matière de respect des droits humains, mais surtout être la voix des sans-voix. Parce que par moment, nous, hommes politiques, si nous posons certaines actions, ça peut être interprété. C'est pourquoi il est bien d'avoir une société civile digne
à équidistance des chapelles. Quand c'est bon, il faut pouvoir dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, même si on n'interpelle pas, on peut appeler à l'attention de ceux qui sont nos responsables pour dire voilà, voilà, voilà. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel, seul le pouvoir de Dieu. Amen. Et donc, quand on est sur terre, il faut poser de bonnes actions. Car tout le reste n'est que vanité des vanités. Je suis venu me recueillir. Je suis venu partager avec ceux qui me suivent de jour comme de jour et de nuit. Certains sont avec moi. Mon directeur de cabinet, M. Soumaro et Azoumana, qui est professeur au lycée Alphonse Assamoa. Aussi à venir consacrer un petit temps avec nos tout petits et encourager l'action du prophète. Également, mon aîné, qu'on appelle affectueusement Bazo américain, parce qu'il a passé toute sa vie aux États-Unis, il a décidé de revenir sur la terre natale à l'état civil, Gerasuba et la Yanzoumana. Merci à cette dame qui est ma maman, maman appelée Dalo Thérèse, qui est ma conseillère, qui est mon égérie, qui est une dame de conviction et une dame sincère. C'est elle qui m'a rappelé que je suis né le 8 janvier avec et c'était beaucoup émouvant depuis lors et depuis ce matin la tenue à être à nos côtés, surtout sur le programme de ce soir avec les tout petits à côté d'elle, une des fidèles également parmi les fidèles, ma soeur Dougui Honorine. Celui qui est un peu photographe ou bien caméraman de circonstances, M. Touré Abaka, qui est mon aîné, Amand, également ma grande sœur, Kubaliawa, après elle, juste un peu plus bien. Mon aîné Ismaël, ce matin, j'ai dit, je ferai la surprise. Parce que il n'y a jamais aussi quelque chose sans raison. Je l'ai vu aux côtés du prophète, je l'ai vu aux côtés de mon aîné Seiko, et je l'ai vu aux premières heures de la fondation. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Je te vois sur des images et oh, de quoi s'agit-il? Il m'a dit, ah ben, c'est une œuvre, un homme qu'un des nôtres en train de faire, le pasteur, le prophète Joël Crasso, et donc j'essaie de l'aider. Si tu as un bouton, il faut aller voir, tu verras, ça va te faire plaisir. Et c'est ainsi que l'année dernière, nous sommes arrivés et j'ai vu le cadre, j'ai vu le travail, tout est structuré. Et je reviens aujourd'hui, je vois des enfants que j'ai retrouvés hier, aujourd'hui encore plus gais et imaginatifs. Je ne sais pas qui leur a soufflé qu'aujourd'hui c'était. Donc je cherchais, j'ai dit, mais là, je ne savais pas que, bon, peut-être j'aurais dans mon discours juste dit que peut-être que je me rappelle que je suis né un 8 janvier et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 43 ans. J'espère que le Seigneur nous donnera la force et la santé nécessaires de continuer. En tout cas, je suis heureux et d'être là. Et je suis également satisfait du résultat. Je voudrais rassurer le prophète et le vice-président et l'ensemble du personnel, y compris le manager, pour dire que à chaque fois qu'il est possible de mener des actions discrètes comme visibles pour qu'on puisse penser à la fondation, et nous n'allons pas hésiter. Je
prions également l'Éternel Dieu des armées, afin qu'il puisse nous armer de force et de courage pour pouvoir, chaque fois qu'il nous accordera une grâce, qu'on puisse penser à ses enfants et faire un peu plus. Donc, je suis là et je suis heureux également pour avoir été choisi parmi les nominés. Je pense que avec le directeur de cabinet, nous allons suivre cela. Et dit également que pour la rentrée prochaine, avec l'aide de Dieu, je voudrais m'engager pour j'ai vu les résultats au niveau des SM2. Et tel que je vois, je sais que il n'y a pas de raison que ces enfants n'aient pas leur entrée en sixième. Pour les cinq du CM2, avec l'aide de Dieu, je voudrais m'engager à prendre entièrement en charge, c'est-à-dire leur scolarité, de la tenue à l'inscription en ligne et tout ce qui est manuel scolaire. Également, je sais que le prophète fait beaucoup, mais ce n'est pas la quantité, c'est le cœur qui donne. Amen. Donc le Seigneur nous a permis, ma petite délégation et moi, d'apporter quelques vivres à nos tout petits pour qu'ils puissent, avec tout ce que le prophète fait là, pendant peut-être un jour là, il puisse se restaurer et puis Dieu aidant, nous allons faire en tout cas mieux. Donc voilà ce que je voudrais vraiment dire et vous dire merci pour la qualité de l'accueil, merci pour les vœux qui ont été formulés à l'endroit du pays, de notre région, la région du Lodjibois et de la commune de Divo. Que le Seigneur fasse que la paix puisse régner et que nous soyons abondamment bénis. Et je suis heureux de retrouver aussi mon frère Fresh Berino, qui est mon compagnon de lutte depuis mon entrée en politique. Donc, vraiment merci à lui et tous mes encouragements à la radio Fraternité. Je sais que le manager Armando le doyen fait beaucoup. Et je promets également une visite au niveau de la radio Fraternité. On aura également l'occasion de débattre un peu des activités parlementaires. Et surtout, nous avons pris des engagements vis-à-vis des populations. C'est d'être le plus proche possible et de les rendre compte. Parce que nous nous considérons comme un ouvrier. Quand tu mets un ouvrier à la tâche, il a un droit de retour. Il doit faire le retour à l'employeur. Et pour moi, la population est mon employeur. Nous sommes en vacances parlementaires. Donc il est important que je puisse rendre compte à cette population. Et vraiment, je prie le Seigneur qu'en revenant ici, il y a encore d'autres plus grands bonheurs que ce que nous n'avons pas encore eu ici. En tout cas, merci à tout le monde et que le Seigneur puisse nous fortifier et que le Seigneur puisse nous bénir. Je vous remercie. Nous allons pas encore ovationner plus fort.
Monsieur le vice-président, oui. Parce que vraiment, les mots étaient très bien choisis et c'est vraiment très touchant. Nous allons passer la parole, n'est-ce pas, au premier responsable du cabinet. N'est-ce pas qu'il demande hein, d'être donc. Merci beaucoup, grand frère Amando. L'honorable Famsa Koulibaly, en ce jour anniversaire, est venu faire plaisir vraiment à ses enfants qui l'honorent. En plus des vivres qu'il offre et aussi de l'engagement pris pour la rentrée scolaire prochaine, il offre la maudite somme de 50 000 francs pour une collaboration. Bien dit, merci. Les enfants, est-ce qu'on a déjà dit merci? Qu'est-ce qu'on fait? Avec monsieur le moniteur, nous savons qu'il y a un enfant, il y a des voix choisies pour pouvoir dire merci, merci et merci à papa honorable. Sous vos acclamations. Dans la vie, certaines occasions nécessitent un beau discours. Mais nous, les enfants de la Fondation Prophète Joël Grasso, à travers ma voix, nous tenons à vous dire un grand merci pour votre soutien à notre orphelinat, car votre don nous a beaucoup touchés. Nous vous remercions de tout notre cœur. Merci. Merci à papa Moni. Nous devenons, n'est-ce pas, notre premier vice-président, papa Seiko Polin. Merci, monsieur le manager. Je pense que nous avons écouté l'honorable. Nous avons vu le geste qu'il vient de faire. Et tout naturellement, la cérémonie tire vers sa fin. Tout ce que nous pouvons faire après un tel geste, c'est de remercier le bon Dieu. Effectivement, on a toujours l'habitude de le dire pour ceux qui donnent souvent. C'est vrai que quand Dieu aime et qu'il veut agir, il passe toujours par quelqu'un. Autrement dit, nous ne recevons jamais la main de Dieu. Le matin, nous réveillons avec une poignée d'argent en train de vous dire « Tenez, parce que je vous aime ». Il passe toujours par quelqu'un. Et il y a ceux que l'Éternel choisit. Il ne choisit pas aussi n'importe qui. Donc je pense que ce geste, ce soir, à titre méritoire, un symbole. Un symbole. Je crois que tout à l'heure, nous allons recevoir symboliquement ce qu'il nous a apporté comme vivre. Nous avons déjà pris ce qui est financier, ce qui est argent. Et je pense que nous allons finir avec les vivres qui nous seront remis officiellement. Donc je tenais, au nom de tout le personnel, au nom des enfants, déjà un enfant l'a déjà dit, je pense que comme il a dit, la voix et la parole des enfants est encore plus pure, mais il faut toujours ajouter quelque chose au nom du prophète Joël Grasso. Je pense qu'il suit la cérémonie en direct, et ce soir, il est aussi heureux, n'est-ce pas, qu'il trouve des âmes. J'appellerai ça une âme sœur, n'est-ce pas, dans la société de Divo. Parce que ce monsieur, s'il faut le rappeler, à l'endroit de l'honorable et nos chers visiteurs, il n'est pas de loin, il est de Gagnoua. Et ça peut surprendre plus d'un parmi vous. Il est de Gagnoua, sa ville natale. Et il aurait pu créer cela à Gagnoua. Mais pourquoi Divo? Et c'est en cela que nous attirons l'attention de toute la population. Pour qu'un geste de ce genre-là soit encouragé. Encore une fois de plus, merci monsieur le député
merci de reconnaître les bienfaits de notre frère, le prophète Joël Crasso, pur divolé, n'est-ce pas, dans ce peuple djibois dont tu as l'insigne honneur de représenter. Et votre déplacement ne fait que l'encourager. Parce qu'à un moment donné, nous qui étions autour de lui, on se posait des questions. Est-ce que ce tact, ou plutôt ces œuvres que le prophète pose, sont invisibles des gens de Divo ou non? Si effectivement il y a des hommes politiques dans la ville de Divo, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que réellement il y a des hommes politiques, des gens qui prétendent s'occuper, n'est-ce pas, de la vie des autres? Parce que la politique, c'est s'occuper de la vie des gens. Je pense que le geste premier, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et Dieu vous en révoquera suffisamment ce que vous faites. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est très sincère, monsieur le député, et très cher jeune cadet. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et amen. Merci beaucoup. Sous vos acclamations que nous allons... Voilà donc de façon symbolique, nous allons recevoir les dons. Merci que le Seigneur vous fortifie à faire davantage. Amen. Merci. Bon, merci. Merci. Donc, le manager, on reste là pour la prière ou bien on rentre encore? Ben, on va finir avec la prière. Ok, d'accord.